Salut. Salut Patrick. Ça va Ça va et toi Ouais, et ben écoute. Ravi de te retrouver. Oui. Pour cette suite de nos aventures. Alors, je regarde, il y a quelques personnes sur le chat déjà qui commencent à arriver. Oui. Ouais. On va peut-être attendre un petit peu que ça en pense. Oui, oui, ben écoute. Aujourd'hui, ben on va parler déjà du du programme du Dien Chan Pro puisqu'on a déjà fait celle sur le Dienchan Reflex. Hein. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu il y a le lien aussi dans la description pour pouvoir voir la première partie. Hein. On, on, on se prend pour euh, une production euh, hollywoodienne, là. C'est Netflix total. <laughs> <un> peu ça, <laughs> on va faire comme Netflix. Tu que... sais, tous les vendredis, un nouvel épisode. <laughs> c'est ça. Nous, c'est plutôt le, le mardi. Mais... Oui. <laughs> mardi 13. Et qui arrive encore. Déjà, bon, bonjour tout le monde, hein, parce que je, n'y a pas encore euh, personne écrit encore, mais coucou, je ne sais pas qui est présent, je ne vois pas les noms, mais euh... déjà bonjour à tous, à neuf, ça arrive, ça arrive. Non, mais <laughs> eh ben, dis donc, tu sais qu'avec ce qu'on vit hein, en ce moment, si on ne sera pas habitué à être derrière ces vitres. Hein... <laughs> c'est sûr, c'est. Mais au moins, on se voit, c'est déjà pas mal. Si on se voit pas, cher non y a au moins <laughs> de la technique. Ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, on n'est pas les pires, hein, mais il y en a, les pauvres, ils souffrent. Hein. C'est pas évident pour tout le monde. Hein. C'est clair. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Ça arrive. Je vois pas de... Est-ce qu'il y en a un qui peut nous faire un petit coucou pour voir si le chat fonctionne bien Et si le son est correct aussi On nous entend oui. bien On a connu. <laughs> si... Euh... Bon, je que... bon, pas de commentaires écrits. Euh... Alors, peut-être que le son n'est pas correct et c'est pour ça qu'ils ne nous répondent pas. Je vais demander. Oui, ben. Bah... En principe, ici, j'ai une salle de contrôle. Je vois tout <laughs> qui bouge. Donc, c'est vert. Le flux a l'air bon. Ouais. Ah, super. Il y a John qui nous répond. Super. <laughs> enfin, je viens de commentaire, donc c'est okay. OK. Ça a l'air bon. Bon, ben alors, bon, ben, euh, aujourd'hui, on, ouais. on continue nos échanges pour un peu débroussailler le programme de cours. C'est toujours aussi plus agréable. En plus, s'il y a du chat en direct, c'est mieux, puisque ouais. comme ça, on peut, on peut répondre à des choses qu'on aurait oublié de, de préciser. quoi. Tout à fait. Et bien justement, aujourd'hui, on va parler du, du programme du deuxième module, donc qui est le Dienchan Pro. Mmh. Donc, on va détailler tout ça parce qu'on a toujours pas mal de questions sur chaque module, chaque contenu, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, euh, j'aurais aimé d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet oui. du Dienchan Pro, j'aimerais revenir sur quelques petites questions donc, qui m'ont été posées euh, cette semaine par rapport au dernier live mmh. qui était dédié au module Dienchan Reflex. Et euh, tout d'abord, il y avait un point qui, était, euh, qui concernait les dates d'inscription à la formation Zoom. Oui. Donc, euh, bah, il faut se dépêcher parce qu'elle débute le 1er novembre. Et qu'il faudra vous inscrire avant le 1er novembre si vous voulez participer à tous les modules. Bien sûr, le, le module Dienchan Pro sera en janvier. Mmh. Par contre, il faut déjà euh, bah, être inscrit euh, au premier module pour pouvoir assister au Dienchan Pro. Donc, le Dienchan Reflex, et là, c'est à partir du 1er novembre. Donc, il y aura les, les quatre dimanches de suite. Mmh. Euh, donc, il vaut mieux en plus s'inscrire euh, rapidement parce que... Euh, je, on va vous envoyer les outils. Mmh. Donc, euh, donc pour recevoir vos outils avant euh, le début de la formation, eh bien, il vaut mieux que vous envoyez maintenant qu'on ait le temps d'envoyer les kits d'outils. Oui. Et tout. Bon après c'est pas très grave s'ils reçoivent pas la première semaine parce que mmh. on va parler de beaucoup de choses déjà dans la première matinée. Mais par contre c'est bien d'avoir au moins à la deuxième semaine où là on va commencer à aborder les outils. C'est bien de les avoir en main pour pouvoir bah, comprendre. Bah, ouais. C'est clair. Donc et voilà, le mieux, c'est de le faire ben, le plus tôt possible. Si ouais. vous pensez vous inscrire, euh, ne, ne traînez pas. Ouais, c'est ouais, plutôt ouais. ça. Mais au fait, dis-moi, sur Zoom, vous êtes plusieurs à l'écran. Ah oui, oui, oui. Zoom, c'est euh... en fait, c'est pas comme ce qu'on est en train de faire là en live. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, moi, je peux voir chaque participant, contrairement là au chat où euh, je vois que les, les, les mots qui sont en train de s'afficher, les petits mots qui, que les gens nous envoient. Mais euh, là, on voit vraiment les visages de chacun. Et euh, on est comme si on était tous dans une même salle, en fait. Ouais. Et euh, c'est une question, effectivement, qu'on me pose. Mmh. Euh, et je trouve que c'est important, tu as raison euh, de poser la question, mais c'est important de le savoir, parce qu'on peut, en fait, échanger tout en, tous ensemble, comme dans une vraie salle de, de cours. Mmh. Et ça, c'est important, comme en présentiel, euh, et pas comme une conférence. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les gens vont se voir entre eux. Euh, moi, je vais voir chacun, comment ils tiennent les outils, comment ils, ça fonctionne. Et puis, il y aura des moments où vraiment, je vais aller euh, ouais. euh, vraiment focaliser sur chaque personne en gros plan. Et euh, ça donne aussi une dynamique de groupe qui est importante pour moi. Comme quand je fais d'ailleurs les ateliers Zoom pour ceux qui participent euh, aux ateliers Zoom, mmh. c'est très interactif. Et il y a une dynamique de groupe qui se crée et c'est important pour, pour les élèves et pour moi aussi euh, mmh. que ça se passe comme ça. Ouais, dans en ces effet, formations. Ouais, c'est un détail très important quand même. Ce n'est pas euh, passif. Il y a une interaction. Quoi. Oui. Bon, ben alors ceci étant précisé, maintenant, les questions sur le module du Dien Chan Pro. Oui. Alors, déjà, pour commencer, j'aimerais que tu expliques. Pourquoi il serait erroné de croire que le Shan est une technique d'acupression de médecine chinoise oui, Parce que c'est une question qu'on a souvent. <laughs> en effet, oui, en effet, c'est courant. C'est une grave confusion. C'est une grave confusion parce que, après avoir. En fait, ça, ça, ça vient du fait que, comme le professeur Chou est vietnamien et tout ça, et puis après avoir étudié la médecine chinoise, il est devenu un très bon acupuncteur. Mais en fait, il était hanté, euh, hanté, 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 comme une maison hantée, par une mm -hmm. question. C'est comment les premiers médecins avaient découvert les points d'acupuncture et leurs méridiens. C'est ça qui, qui vraiment l'intriguait alors qu'il dominait déjà la, la médecine chinoise. Il avait déjà plusieurs idées et sa première convic conviction était que pour asseoir, pour vraiment faire une vraie découverte, il fallait combiner plusieurs courants philosophiques. Mmh. Et le professeur Cho était obnubilé par la phrase du King qui dit que tout ce qui se ressemble est interconnecté. Hein. Nous, on a la phrase tout ce qui ressemble, ça semble, hein, il me semble. Mais il faut dire que la culture vietnamienne, en plus, elle attache beaucoup d'importance à ce concept parce que, en cuisine, dès qu'une feuille, un fruit, une fleur, elle rappelle une forme d'un organe, les Vietnamiens la consomment, persuadés que cela est bon pour oui. cet organe. Oui. Ce qui n'est pas complètement absurde en règle générale parce que nous aussi, on a pas mal d'exemples similaires. On, a, on consomme des noix en disant que c'est bon pour le cerveau, n'est-ce pas donc euh, le professeur Cho est allé plus loin car il complète son hypothèse avec une phrase tout en un, tout est un et un est tout et ça bon oui. c'était ses lectures du king et tout ça et, il faut savoir interpréter ces phrases et il est, interprète lui ce concept en se disant que les parties anatomiques qui se ressemblent donc sont interconnectées entre elles et que nous pouvons trouver des chemins des accès euh, depuis partout sur le corps. Alors il s'intéresse également à la linguistique en plus, la linguistique vietnamienne qui décrit des parties anatomiques en composant des mots ayant le même, moi je dis radical, mais bon c'est pas euh, en linguistique pure, c'est-à-dire que comme le vietnamien sont des monosyllabiques qui se composent entre eux, nous on croit que c'est des mots séparés, mais en fait ce sont des petits mots collés. Euh, avec un espace au milieu. Et donc, c'est pour ça, toujours, il nous donne euh, l'exemple du Ko tai Ko Ching Ko Hung, euh, qui est en vietnamien, veut dire en fait le coup de la main, le coup euh, du pied pour la cheville et le coup de la tête pour le cou. Donc, il se dit, pourquoi oui. ce co euh, signifie, serait utilisé dans les descriptions anatomiques de ces parties du corps ben, Sûrement parce qu'elles ont une relation aussi. Donc, il ne fait pas que de la similitude de forme, il fait aussi de la similitude de, 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 de son, c'est oui. du oui, mais de, de signification, quoi. Tout à fait, oui, oui. oui. on avait abordé un petit peu la similitude de forme la dernière fois par rapport au, au Dien Shan Reflex. Oui. Effectivement, ça s'arrête pas aux poignets et aux chevilles, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres exemples, donc euh, qui sont toujours très importants dans tous nos modules et qui sont parfois assez ouais, drôles, de ouais. point. Okay. Mais tu réponds pas exactement à la question là, à propos de la médecine chinoise. Ah oui, peut-être parce que j'ai pas envie. Non, si, je déconne. <laughs> non, oui, oui, l'histoire de la découverte, elle est passionnante, alors je m'égare. Mais il faut dire que j'ai eu la chance d'apprendre tellement de choses durant dix ans avec le professeur Cho que je veux tout partager. Oui, non, en fait. Non, ce n'est pas de la médecine chinoise et se cantonner à la médecine chinoise, c'est ne pas avoir compris le Dian Chan. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que le Chan, c'est une technique naturelle de soins. Cela veut dire que nous pouvons l'alimenter de n'importe quelle autre connaissance. Or, les deux grandes médecines qui proposent d'innombrables interprétations, d'innombrables interprétations, sont la médecine occidentale et la médecine chinoise. Voilà pourquoi nous utilisons énormément de concepts de médecine chinoise, mais pas que. Oui, alors, juste un temps un petit peu. Tu vas embrouiller tout le monde. Donne-nous un petit exemple concret, s'il te plaît. Ouais, alors bon, un exemple que je donne souvent, ce sont les maladies de peau, parce qu'on combine le système nerveux, la vision occidentale du trouble et l'élément métal, qui serait l'explication oui. en médecine chinoise. Mais prenons-en un autre, euh, par exemple, plus compliqué euh, le diabète, par exemple. On a le temps euh, Oui, on a le temps, mais tu ne nous fais pas un cours. Je vais essayer de faire court, mais pas un cours. <laughs> donc la médecine occidentale, elle nous explique que le pancréas est le, le protagoniste des dysfonctionnements qui provoquent le diabète, le sucre, etc. Oui, c'est vrai, on stimule le pancréas donc, euh, grâce au schéma de réflexion des organes sur le visage. Oui. Qui Mais là. que nous dit la médecine chinoise Elle nous parle d'une soif inutile, donc d'un manque de ying, c'est-à-dire une soif exagérée, euh, ce, ce qui entraîne une sécheresse et une stagnation du sang. On va donc travailler des organes qui gouvernent l'élément haut du corps, la vessie, les reins, pour ainsi atténuer ce feu stagnant intérieur. On voit très bien avec cet exemple que si nous appliquons la théorie chinoise, nous pouvons passer à côté de la solution. Car comme tu le disais, nous devons également stimuler la zone du pancréas sur la lèvre supérieure. Et pour profiter de ce que nous dit la médecine chinoise, on va préférer un outil multiréflexe aux effets rafraîchissants qui stimule l'humidité intérieure. Donc, ying. Donc, grâce à nos outils et nos points BQC, nous avons également la possibilité de booster le pancréas et de redonner du mouvement au sang. Voilà comment nous traduisons en Dien Chan des informations cruciales récoltées, glanées dans ces deux grands courants médicinaux. Ouais, super. Alors, pas de panique, hein. on insistera également sur les effets des outils et comment rendre Yin ou Yang une formule de points BQC. Euh, vous en faites pas, on va voir tout ça tranquillement en cours, là c'est un peu euh, en accéléré mais euh, on va voir tout ça il faut dire que euh, on parle de yin et yang en permanence hein, mm. et que ce sont des points que nous stimulons avec une tige en métal donc c'est un petit peu normal que certains croient que c'est un peu de la médecine chinoise Alors, de oui. le croire avant d'avoir étudié le Dien c'est bien entendu, ce n'est pas une erreur, c'est normal c'est vietnamien, on a toutes ces, ces références au yin et au yang et à des tonnes de, de, de et euh, issu des éléments, des méridiens tout ça. Mais l'enseigner comme si le Shan était de la médecine chinoise, ça ne rien à avoir compris à cette extraordinaire méthode qui nous invite à nous intéresser aux différentes interprétations de chaque trouble, même si on ne veut rien entendre à propos des méridiens ou des autres approches orientales. J'ai eu des élèves euh, médecins d'hôpital sans aucune connaissance en MTC et qui voient ça même presque comme de l'ésotérisme. Alors tu vois. Mais on peut, prati on, on, peut, on peut pratiquer parfaitement le dianchan sans s'intéresser à la médecine chinoise. C'est dommage. Oui. Mais on oui. peut. Oui. Oui. Et puis, je pourrais dire, la preuve en est comme des, des grands schémas de réflexion avec lesquels on obtient aussi des résultats vraiment bluffants, c'est celui des nerfs crâniens. Évidemment. Tu fais bien de le rappeler. Du reste, justement, pour pas nous étendre sur ce schéma qui nécessite beaucoup d'heures, on a quand même un bon dossier pour vous initier, un super PDF gratuit, qui explique... Le schéma du cerveau sur le visage. Donc, vous voyez que là, on n'est pas du tout en médecine chinoise. Euh, il y aura le lien dans la description. C'est pro moi et mes, et mes adresses. <laughs> Mais bon, en fait, on combine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un instrument sur lequel on combine des connaissances. Hein, et on complète les effets précis des stimulations sur les schémas de réflexion avec aussi des indications de points BQC. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est. On prend des connaissances, on les combine et on peut compléter aussi avec du Dien -Shan pur, qui sont les fiches des points. Et j'en profite juste euh, deux oui. secondes pour rappeler que je propose un atelier sur les nerfs crâniens euh, début no novembre. Ah finalement. oui, oui, oui. Ben, super. Pour avancer oui. un peu, et oui. puisque euh, ce second module de Dien -Shan Pro est entièrement dédié à la carte du Dien Shan, oui. euh, ben, des points, donc dis-nous clairement. Combien il y a de points euh, sur la carte Oui, c'est vrai qu'on trouve ici et là des descriptions du Dien Chan tellement farfelues, mais bon. Le pire, c'est que quand les gens qui prétendent enseigner le Dien Chan disent qu'il y a plus de 600 points sur la carte, c'est impossible, rien qu'à première vue, il n'y a pas de place, non. Il y en a 257 exactement. Et oui, et alors explique-nous brièvement pourquoi le numéro le plus grand est à 633, c'est ce qui fait un peu que les gens se trompent. Oui, mais on l'explique dans le cours. Désolé, il est tard. <laughs> en fait, au départ, le professeur Bouikokcho nommait ses points avec des appellations inspirées de l'acupuncture, du genre le lotus, le tigre, la perle, et je ne sais plus encore. Je, tu peux imaginer qu'en découvrant un par jour, un point par jour, il oui. commençait à manquer de noms. Alors, une fois il avait le lotus bleu, le rose, le diamant, la perle, etc., il décida de prendre sa liste, de les numéroter. Cependant, en mettant de l'ordre dans ses notes... Il découvre que certains avaient été découverts plusieurs fois. Il les avait découverts plusieurs fois, mais avec des noms différents. C'est normal, il s'en souvenait plus lui-même. Alors, il commence à les éliminer, mais il ne renumérote pas la liste. Voilà, oui. c'est tout simple. Et cela explique pourquoi il y a tant de trous. Oui. Et ces numéros, ils, alors, ils n'ont pas toujours euh, tous une signification, et c'est souvent juste un ordre chronologique de découverte. Oui, <coughs> en effet. Les petits numéros désignent, en règle générale, des points, des points découverts au début, comme le point 1, qui est celui situé sur l'arête du nez, qui fut le premier euh, à confirmer ces théories. Oui, mais par contre, je sais que certains points ont été numérotés de manière totalement aléatoire. Est-ce que je peux raconter peut-être l'anecdote de Sonia Ah si oui, 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 bien sûr, oui, oui, oui. 31, oui. Oui. Le... Oui. Sonia, en fait, qui a été ma formatrice au sein de l'UMDC, ouais. avait raconté euh, l'histoire. Donc elle avait pu démontrer pendant les diverses recherches ouais. expériences euh, qu'elle a, qu a pu faire sur le Dien Chan que le point 233, donc euh, qui est par là, qui compose le triangle hépatique, mmh. et qui se trouve donc euh, là sur le visage, ouais. son reflet, donc elle, elle a prouvé que son reflet était également sur le front. Mmh. Donc ça, le reflet, on va l'expliquer aussi pendant les cours. Et le professeur qui a validé ce point comme étant effectivement le, le reflet du point 233, euh, bah, il fallait bien qu'il numérote ce nouveau point qui arrivait comme ça euh, en plus des autres. Donc, il a demandé à Sonia oui, oui. quelle était sa date de naissance. Oui, oui. Et Sonia, elle, a répondu qu'elle était née le 31 mai, donc 31-5. Et le professeur a décidé d'appeler ce point le 5 31. donc oui. 531. Oui, je... ouais, c'est tout sait... à fait ça il l'avait pas euh, nommé donc euh, ouais. ouais, ouais, c'était une très bonne idée ouais. heureusement qu'elle n'était pas née le, le 31 décembre sinon certains penseraient qu'il y a 1231 points mais pas faux c'est pas faux <laughs> mais bon après avoir numéroté les points il cherche un moyen de les cartographier parce ouais. que ça oui, et ce sont les lignes, en fait, les lignes 1, 2, 3, etc., et A, B, C, etc., qui nous permettent de repérer un point BQC. C'est vraiment ce quadrillage qui nous permet de repérer sur n'importe quel visage. Ouais. Et chaque ligne ayant un point d'appui sur un relief commun à tout humain, que ce soit la, la commission des lèvres, le, les yeux, l'iris, etc on étudiera, on étudiera pardon, <laughs> comment trouver et utiliser chaque ligne de la carte c'est super important de, de savoir lire cette carte parce qu'on a passé des heures avec le professeur cho et son fils euh, Bui Min Tam, je me souviens encore et moi-même à retoucher réparer corriger cette carte parce que comme le professeur passait pratiquement huit semaines chez moi nous avions beaucoup de temps pour travailler sur l'ordinateur il était subjugué par ce que je pouvais faire et je le vois encore le nez collé à mon écran cathodique à l'époque était énorme et de me dire bouge ça remets ça là etc. Il adorait le fait que j'avais transposé dans l'ordinateur tous ces schémas et la carte complète. Oui mais est-ce qu'il y, y avait autant d'erreurs que ça sur ces cartes Oui ce sont pas exactement des erreurs mais des imprécisions qui peuvent induire en erreur. Je trouvais que oui. c'était important pour bien apprendre le dienchan d'avoir des documents les plus scrupuleux possible. Oui. C'est vrai que nous, en Occident, on aime bien ça. Et Merci. oui, exactement. Et il faut savoir que le professeur, ne sachant pas bien dessiner, il demanda à un ami illustrateur à l'époque, un ami illustrateur, de lui faire ses schémas. Alors, quand il me disait, en fait, tu le sais, c'est pas exactement comme ça, ce schéma. Alors, je sautais, moi, et je lui disais, mais comment ça pouvait pas être possible qu'on donne des documents euh, qu'il qu considère comme faux Alors, il me répondait chaque fois que c'était pas grave, puisque je le savais, je n'avais qu'à le dire en cours. Ah, ok, bon, c'est pas très rigoureux, ça. Ben non, mais tu peux imaginer, comme je trouvais ça ridicule, moi aussi, ben c'est la culture orale. Hein. Je lui disais, mais si, en fait, si, si on veut faire un livre, on ne peut pas être derrière chaque lecteur pour lui dire Tu sais, c'est pas exactement ce qu'on a imprimé, mais je suis là pour te le dire. Bref, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Pas à... Et au final, tu as connu la raison pour ces non-corrections Oui, en fait, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est mignon parce que finalement, un jour, il m'avoua que comme le dessinateur était super sympa, il lui faisait ça gentiment, il n'osait pas lui faire des remarques. En plus, en règle générale, tout était assez bien. Hum, ouais. Ouais. Alors du coup, bah, où est-ce qu'on trouve les bons dessins et la carte correcte Facile, dans nos publications. Et oui, parce que quand j'ai rédigé l'ABC, j'en ai profité pour refaire tous les schémas et la carte. Et le professeur Cho était aux anges super fier d'avoir un bouquin enfin sérieux et publié en France. Donc en 2009, je l'invite à nouveau pour faire une présentation du livre à Paris et je lui offre tous les droits d'auteur, 100%, pour le remercier de tant d'années de partage et de rigolade. Ok et, et après Eh ben après il est devenu célèbre grâce à, grâce à cet énorme travail que nous avions réalisé ensemble entre Barcelone et Saigon depuis 2001 quand je l'ai connu et il était de plus en plus sollicité au Vietnam. Ensuite le drame fut qu'une harpie lui mit le grappin dessus et le manipula à coups de chequier. C'était dommage car nous avons maintenant trop de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils se sont fait avoir blablabla. blablabla. Eh bien, il faut qu'ils reprennent leurs études avec nous. Bon. <laughs> ça c'est le drame effectivement des thérapies naturelles, ça. Ben... Bon, passons à autre chose. Oui. <laughs> Durant ce deuxième module de Dian Chan Pro, on va également voir euh, ben, les différentes techniques de stimulation mm. et comprendre qu'il n'y en a pas de meilleure. <laughs> C'est-à-dire il n'y a pas une qui est meilleure. Mm. Donc dis-nous pourquoi on utilise un détecteur, mais également des roulettes. Oui. et eh oui. Oui. Oui, ça veut dire ça dépend en vietnamien. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à la personne qui reçoit le soin. Le détecteur nous sert à stimuler des points de la carte et les outils Yin ou Yang à travailler les zones de réflexes des schémas. Les deux actions sont complémentaires. Voilà pourquoi nous insistons tant sur ce que nous appelons un plan de soins personnalisé. Oui. Parce que. En plus, on a des, des, des outils multi réflexes corporels, donc certains yin, d'autres yang. Mmh. On choisit quoi ben, on prend en cours. En fait, c'est ce qu'on apprend en cours, c'est-à-dire à déterminer si le trouble est plutôt yang ou plutôt yin. Et alors, on choisit l'outil multi réflexe complémentaire pour tendre vers l'équilibre. C'est tout un bon tronçon du module, ça. Toi, tu veux que je leur fasse un cours ce soir ou quoi Non, non, non. <laughs> Suivez la formation et tout deviendra limpide. Un plan de soins, ça consiste à s'occuper de l'état général du patient, puis du trouble, depuis les zones réflexes, pour ensuite consolider avec une formule de points. Je mettrai dans la description de la vidéo des liens utiles pour illustrer nos propos. Oui, oui, super. Euh, moi, j'ai pris note de ce dont on a parlé, là, puis, euh, que, pour que tu n'oublies pas, hein, donc euh, le notera à dessous. Ouais. Euh, sinon, alors oui, il manque un thème important oui. que nous abordons durant ce second module de Dien Chan Pro. Oui. Eh bien, moi, je ne sais plus, je suis debout depuis 6h du matin <laughs> et je crois que les gens en ont marre de m'écouter. Euh... <laughs> <laughs> nous allons voir aussi comment on va aborder les formules de Point B qui sait oui. Je pense que nous pouvons nous en servir de plusieurs manières et euh, même leur donner ouais. un sens. En effet, ouais, merci. Toutes les formules que vous pouvez trouver ici et là, que ce soit dans des livres ou dans l'appli it ces formules sont un peu comme des médicaments industriels, c'est-à-dire qu'elles furent conçues pour certains patients en particulier et souvent réutilisées, certes, mais nous sommes tous différents. Et ne s'arrêter qu'à la désignation de la pathologie, c'est souvent passer à côté du problème. Oui, ça c'est quand on veut copier la prise en charge de l'hôpital. quoi. Euh... Or, les médecines naturelles se doivent d'être euh, holistiques. Holistiques, exactement. Et je reviens donc sur le fameux plan de soins. Les formules peuvent être appliquées du bas vers le haut. On peut leur donner donc un sens Yang, ou on peut les faire vers le bas pour les stimuler de façon Ying. Ensuite, nous pouvons également ne retenir que les points BQC sur le seul côté du visage, à droite pour les points euh, Yang, et à gauche pour n'utiliser que leur fonction Ying. On ne conservera ainsi que les points les plus sensibles. On combinera certaines formules entre elles en éliminant les doublons. Et surtout, mmh. après avoir pratiqué ce qu'on a appris durant le second module de Dian Chan Pro, on utilisera les formules pour s'inspirer. Ouais, tout à fait. Alors petit à petit, parce que là, tu en dis beaucoup. Pas de panique. Mmh. C'est pour ça que nous avons divisé ce programme ainsi, en fait, pour que vous puissiez tout, tout, tout comprendre. D'abord les schémas, ensuite la carte. Ouais. Comme ça, c'est bien plus facile à assimiler. Mais bon, vous, vous saurez tout ça, en tout cas. Mmh. Du reste, euh, je dirais, c'est ce que fait l'appli it aussi. Oui. Euh, Est-ce que peut-être tu pourrais nous montrer un exemple avec l'appli pour euh, conclure Ah oui, toi, tu veux voir mon iPad. Alors, attends, mmh. je l'allume. <laughs> mmh. Alors, mmh. Alors, attends, je change de scène. Et on va se mettre là. Voilà, je vais ouvrir... Euh, l'application je dois je vais essayer de connecter une, une souris pour que vous puissiez voir ce que je fais voilà alors euh, qu'est ce qu'on fait euh, on prend euh, je sais pas mais bon je vais justement publier un, un article qui explique comment composer ses propres formules de points en Dien Chan bientôt. Donc, euh, en plus, c'est prévu pas pour, pour illustrer une conférence super intéressante qui s'appelle euh, Dienchan Sport. Enfin, celle que je ferai s'appelle Dienchan Sport, mais qui est inclus dans un colloque qu'organise euh, Kevin. D'accord, tu nous en dis deux mots Oui, c'est un, un copain qui est athlète et qui est passionné de thérapie naturelle et qui organise un colloque super intéressant sur ce qu'elles peuvent apporter aux, aux, aux sportifs. Donc, je donne une conférence le 28 octobre à 20h qui sera également étayée par un article dans le blog et une vidéo. C'est gratuit. Okay. Et de nombreux intervenants passionnants sont déjà sur les starting blocks. Donc,. Euh... Il va falloir être au courant. Ça commence le 27 euh, octobre et oh. moi j'interviens le 28. Voilà, donc pour l'appli, euh, qu'est-ce qu'on prend comme exemple, euh, par exemple euh, euh, Quelque chose assez général, si tu peux, euh, et un peu compliqué, peut-être de l'asthme euh, ou plutôt ou une entorse au poignet. Ça, ça m'est égal. Euh, on peut tout faire. Euh, ben, attends, ouais, parce que l'asthme, peut-être que c'est un peu trop de points. Et on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, prenons oui. l'entorse au poignet parce que l'asthme, il va falloir les tester, les éliminer, puisqu'on est sur quelque chose de, 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 de ben le poignet. Ben le poignet, par exemple, pour montrer comment ça marche, je sélectionne le bras et je peux descendre. Hein, je peux descendre euh, vers les coudes dans les coudes de l'avant-bras et trouver le poignet. D'accord, je peux descendre dans l'anatomie, hein, ou alors euh, directement cliquer ici, et c'est pareil, je suis dans les poignets. ok alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire <coughs> Beaucoup de points. Pff, ouais, ben on peut chercher des oh. points sur le... Où on commence à repérer les points. Euh, donc, bon, on va faire euh, douleur, euh, douleur, mettons. OK Douleur au poignet. Donc, si on est en zone, comme ceci, on a tout de suite les zones réflexes, d'accord Avec les outils proposés. OK Ensuite, si on veut passer en points, on a les points... Qui correspondait. Alors, on voit, on, on reconnaît déjà ici des points qui correspondent à la zone du bonhomme rouge, hein, les tempes et tout ça. Mais on voit qu'il y en a d'autres aussi qui ne, ne seraient pas évidents par rapport au schéma. Justement, est-ce que tu peux expliquer euh, à nos, nos spectateurs pourquoi ils sont il y a tellement de points qui sortent parfois mais parce qu'en fait, Festizit n'est pas un simple catalogue de formules récoltées ici et là. C'est un vrai calculateur thérapeutique qui te propose 100% des solutions possibles. Et donc, en restant et en testant les points, tu, te, tu ne retiendras que les sensibles. Et ensuite, tu peux consulter les fiches de chacun d'entre eux. Donc, mettons que tu aies trouvé que le 70 est aussi sensible. Tiens, tu te dis, c'est marrant, c'est le foie ying, ça fait un tas d'autres choses. Et donc, comme ça, on peut découvrir l'origine du trouble. Mm. Est-ce que... Tu peux créer une petite fiche patient avec ce résultat pour que tout le monde puisse mieux comprendre. Oui, ben par exemple, quand on a un résultat comme ça, on est face à un patient. Alors, on va créer une fiche en appuyant sur ce bouton. Et je vais prendre un patient qui existe déjà d'exemple. Comme ça, on pourra voir d'autres choses. Voilà. Mettons, prenons ce, ce garçon. Et donc, euh, euh, on, on va directement aller sur le bouton jaune pour avoir tous les points enregistrés. Donc, vous voyez, tous les points qui ont été enregistrés, ils sont là. Hein, et ici, ils sont en zone. Alors, mmh. ce qui est intéressant, intéressant, c'est justement de les tester et de supprimer ceux qui ne sont pas douloureux. On va, on va le mettre en point comme ça. Mettons qu'on ait testé, alors je dois le faire avec le doigt, euh, on est testé le 129, il ne marche pas. On a, euh, il n'est pas sensible, je veux dire. On a mmh. testé, mettons, le 217, il n'est pas sensible. D'accord Donc, mmh. on, on traîne le doigt pour supprimer ceux qui ne sont pas sensibles, mettons. D'accord Et donc, on va se retrouver avec des points qui sont qui vont. Déjà, on est en train de personnaliser notre formule ici. J'efface je, un peu sans trop regarder, OK, pour vous montrer. Donc, on va se retrouver avec des, des points qui sont ceux qui ont répondu. OK, mettons, voilà, hein, je vous ferme le petit volet. Voilà des points qui ont répondu. Et on va se demander comme ça, on dit, tiens, c'est marrant, le 290, pourquoi est-il si sensible Alors on peut cliquer dessus, et là on se rend compte, tiens, il appartient au triple réchauffeur. Est-ce que ce serait pas un blocage sur ce méridien Ou est-ce qu'il a, il a aussi des effets sur les troubles digestifs On peut poser une question. D'accord Et alors on peut aussi compléter sa formule. Mettons que la personne soit arrivée dans un état un peu fatigué, euh, un peu stressé. Donc qu'est-ce qu'on va oui. faire ben, On peut rajouter, si on s'y connaît, on se dit, bon ben tiens, je vais lui mettre le 300 euh, à droite seulement pour pouvoir lui booster un peu le chi. Okay Donc vous voyez qu'il ne l'a rajouté qu'à droite. Et oui. il, comme il était un peu stressé, on a déjà le 124, mais on va lui rajouter aussi le 34 pour lui faire faire un petit exercice. On va lui rajouter que celui de gauche pour faire un petit exercice et lui montrer comment il peut se, se détendre le soir. Alors, comment on fait ça Là, ici, on revient sur la fiche et on va lui donner un conseil. On va lui conseiller le petit marteau et mettons le 206 pour faire les autres zones. On élimine ce dont on n'a pas besoin. Et ce qui est important, c'est de se dire on ne va pas lui donner des points, on va lui donner en zone. Et alors, comment alors on retourne sur la formule et on va se dire, on va lui mettre en zone, il faut que j'utilise le doigt. Il faut, euh, euh, on va lui mettre en zone celui-ci, le 124 et le 34. D'accord Et on va éliminer. Et le 300, on va lui laisser aussi. On va lui éliminer. Bon, le 100, sûrement, il en a besoin puisqu'il a mal au poignet. Et donc, bon, ben ça nous suffit. C'est une bonne idée. D'accord, voilà. On a les 124, les 34, les 300 et les points. Et les, et les poignets pardon. Ok Et donc ça on peut lui partager par mail en lui disant, voilà ce que tu dois faire. Et alors on peut lui mettre dans le texte, hein, on peut le mettre avant dans le texte, si j'efface ce, ce brouillon, on peut lui mettre dans le texte qu'il doit le faire le soir, le, le petit marteau, d'accord On lui met dans le texte que le soir, ici, vous lui mettez le soir, euh, le petit marteau sur les zones du front. Euh, d'accord euh, Et blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla. Bon, je regarde pas mon clavier donc j'arrive pas à taper. Et ensuite, euh, on lui envoie comme ceci, avec ce texte-là. Si par contre, on veut vraiment cibler la chose sur des points précis, on peut très bien faire un zoom alors, d'accord Et lui envoyer que cette partie zoomée. D'accord Donc, ici, ok, on peut. Ah, pardon. Euh, voilà, on peut lui montrer la partie zoomée ici, d'accord, oui. et lui dire voilà, tu vois, c'est ces deux-là et celui-là seulement. Et le matin, celui-là, par exemple. On peut choisir de montrer des choses en en point ou en zone avec ce bouton. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme ce patient est un, une fiche d'exemple, on voit son historique. Donc, mmh, il n'y a je... pas besoin de garder. Voilà comment l'historique. Tu, comment tu sauvegardes On t'a pas vu enregistrer quoi Mais que Il y a soit rien là. à faire. On n'est pas chez Microsoft ici. Ça marche, ça. C est, c est, il suffit de sortir, <laughs> d'accord? C'est pas des saletés. Et alors, quand vous revenez ici, vous avez la liste de tous vos patients. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous voyez que on a la douleur au poignet. On a, par exemple, le kyste à la gorge. Et tout est enregistré, que ce soit en zone ou en point. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que comment on construit un, un traitement personnalisé ben, Une fois on a éliminé les points qui ne sont pas sensibles, on, se, on consulte les fiches de chaque point pour justement pouvoir poser des questions, pour pouvoir demander des choses et se dire tiens, est-ce que je peux, comme ceci, atteindre l'origine du trouble C'est le meilleur moyen de créer des formules personnalisées. C'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas un catalogue de formules. Hein. Quand vous êtes au début et vous montrez et vous construisez euh, un, un, un soin, vous avez 100% des possibilités pour ce problème, et vous ne retenez que les points douloureux. Okay. Et là, et ensuite, vous complétez avec vos connaissances, avec d'autres points, en zone ou en point, pour faire vraiment un traitement adapté à la personne, qui en plus peut changer d'une séance à l'autre. Hein. Ouais. Puis lui... donc en fait c'est un peu notre ordonnance Nous, toi tu dis devoir à la maison c'est un peu l'équivalent de l'ordonnance oui. et c'est vrai que c'est super important que les patients qui le souhaitent bah, pu... puissent continuer les stimulations fami... enfin, que chez eux quoi. Oui. Oui, et, ça, euh... ça, ça. Ouais, comme ça ils se soulagent et surtout bah, ils boostent leur énergie ça facilite le travail pour le thérapeute euh, à la séance d'après. Ça, c'est ça. Donc, euh, ça permet surtout voilà, d'aller plus loin et obtenir des résultats bien plus profonds. Donc, c'est vrai que ces devoirs à la maison, cette ordonnance, c'est quand même primordial pour le... Ah ben oui, oui, c'est très important de, de, de donner des devoirs à la maison. Mais, de toute façon, c'est comme quand on va chez le, le médecin. On prend un traitement et on revient et on voit euh, comment on a évolué grâce à ce traitement. Tu pourrais être Merci. une bonne prof, toi. Ah. <laughs> Sans blague. <laughs> profiter de cette confinade <laughs> qu'on va nous imposer dans pas longtemps, j'ai l'impression, pour au moins assister aux ateliers Zoom d'Hélène. Parce que l'idéal, c'est de, de suivre un cours, évidemment, mais les ateliers peuvent également vous, in vous initier de façon ludique. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de la question On Tant pas. Mais puisqu'on a tellement de choses passionnantes à voir durant le cours, Hein, J'espère que ça vous a donné un aperçu euh, au moins du contenu. Bon, Hélène, ouais. on oublie quelque chose euh, ben, Je ne sais pas, je vais voir. Euh, pour moi, je pense qu'on a fait le tour de, ben, des questions qui nous ont déjà été posées. Par contre, je vais regarder dans le chat. Mmh. Est-ce qu'il y a des questions particulières euh... Des questions de vie, de vie ou de mort du virus De <laughs> vie ou de mort, je les regarde là du coup sur mon iPad. Alors, vos questions, vos questions. Euh. Parce que... Donc il y, y a Nicole qui dit donc en gros on teste tous les points proposés et on sélectionne ceux qui sont présents lors de la stimulation avec l'outil. Exactement, exactement. Ah, Quand ouais. on est sur la partie, euh, la partie euh, des points, c'est ça qu'il faut, okay. qu faut faire. Ouais c'est à dire sélectionner les points euh, euh, sélectionner euh, le, le problème en le cherchant en le localisant. alors, par exemple, là on était sur une douleur du poignet. mais si, si vous voulez, ce qui sont, euh, ceux qui seraient euh, des systèmes, des groupes, tout ça, ils sont sur le bouton vert. d'accord. donc, vous voyez ici l'endocrinien, l'immunitaire. Euh, euh, on pourrait prendre le système respiratoire, tu disais tout à l'heure, de, de, de l'asthme. Euh, okay. Ou sinon, si on veut traiter des états généraux, plutôt des, des situations hein, comme l'épuisement, l'attitude, l'équilibre, l'intoxication. Vous voyez comment on peut creuser dans les groupes et les sous-groupes. Et tout ce qui est portant, euh, en relatif au cerveau, hein, les dynamiques, les émotions, tout ça, c'est ici. Et alors, si vous, avez, vous cherchez des, des, des points qui seraient des reflets de, et avec des effets sur les méridiens, c'est dans le bouton rouge Yin-Yang, là, où on a toutes les correspondances du Dien avec euh, les choses connues de la médecine chinoise. Okay Donc, le corps humain, alors évidemment, là, on a mis un bonhomme, mais évidemment, si vous, vous avez des troubles spécifiques aux dames, il suffit de changer le sexe du bonhomme, et à part les problèmes qui ont des noms différents pour l'appareil reproducteur, le reste est la même chose. Ok. Donc les et, les systèmes, les groupes, les états, les relations avec la médecine chinoise et les euh, les côtés mentaux. quoi, le mental. Ok. Dans les préférences ici, euh, non, ça c'est l'aide Dans les préférences de la roue dentée, vous vous devez mettre vos coordonnées et alors vous avez vu dans le mail que j'ai créé sortira votre logo sortiront vos données si vous mettez rien il sort le logo de l'application et le nom de l'école évidemment mais ici vous pouvez tout mettre pour que ce soit euh, avec vos, vos, oui, vos coordonnées. Okay. Oui. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça à première vue Ah oui, bon, ici, on va publier. Ici, ça, là, là, on se connecte à Internet. Ici, vous avez les dernières nouvelles aussi. Euh, ça, c'est bon, c'est installé, mais il faut que je m'en occupe plus. Mais ça marche. Oui, c'est <laughs> sur, sur les dernières versions. Est-ce hein, que moi, j'ai dû racheter un iPad pour avoir tout ça hein, Parce que mon ancien, ça, ça il le Il était. Pas très ça. ancien, ouais. ouais. Et donc, euh, ensuite, pour les outils, vous avez évidemment euh, les fiches avec des détails, avec euh, de l'information. Par ici, vous pouvez accéder directement à la fiche de l'outil qui est sur Internet, hein, qui est la même que dans le Shop. Et vous avez aussi accès à la, à, la, à la petite vidéo. Et vous pouvez aussi acquérir les outils depuis ici en choisissant votre zone de livraison. OK? Donc là, on a vu que l'histoire des points pour construire. Mais pour vraiment compléter un, un, un soin, ce qui est intéressant, c'est d'aller à travers les schémas, qui seraient plutôt la première partie. Hein. Là, on a commencé par la fin, puisqu'on était dans le module de Dien Pro, où on va étudier les points. Si vous cherchez... Pardon, je reviens un petit peu en arrière. Pour continuer avec les points, ce serait le troisième bouton, où là, vous pouvez chercher un point directement. Je ne sais plus où est le 58. Bon, ben vous tapez 58, il vous sort sa fiche et il vous montre où il est. D'accord Très bien. Mais aussi, vous pouvez très bien, pour ce, après le cours en général, demander la carte complète. Donc oui. si vous demandez la carte complète, ensuite, vous pouvez oui, les oui, avoir oui. comme ceci, zoomer oui. et euh, choisir la fiche pour qu'elle euh, vous donne les informations du point. Okay, ça, parce ça n'était pas avant, hein, c'est nouveau aussi. Oui, et ça, c'est super, euh, vraiment, c'est super ce que tu as rajouté parce que justement, euh, quand, on, quand on voit, par exemple, pendant le Dien Pro, on va regarder la carte complète. Ouais. Et ensuite, on va aller regarder ben, certaines formules qu'on peut donner ou ce qu'on ce qu peut distribuer ou donner sur Facebook, Internet, etc. Mmh. Et souvent, on a sélectionné les points. Mmh. Et donc, il y a des personnes qui pensent que ces points-là, ben, c'est les seuls de la zone. Et c'est très bien d'aller se référer toujours à la carte globale aussi. Pour voir qu'à côté, il y en a peut-être deux, trois aussi qui sont. Euh, parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment sur le point parce que, parce que il est sensible, mais c'est peut-être un Exactement. qui est vraiment à côté. Voilà pourquoi oui. ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux lignes. Alors, on a parlé des lignes. Dans, 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 le, dans les bouquins, tout ça, on, on garde les lignes originelles de, du professeur Cho, mais parce que je ne voulais pas changer complètement sa carte, mais dans l'application, comme on n'a plus besoin de coordonnées, hein, comme dans le bouquin, alors j'ai changé et j'ai mis des petits triangles pour montrer les points où s'appuie. Hein, les reliefs communs où s'appuient ces lignes-là. Et euh, j'ai corrigé les lignes qu'il l'avait décidé qui n'était pas très bien placé parce que comme cette, cette ligne qui est bleue ici, en fait dans le bouquin elle passe par le 1, mais en fait à part le 290 il n'y en a aucun autre qui sont alignés bon en fait là on ne le voit pas de face, mais en fait tous les autres sont alignés sur la ligne du 61 par exemple aussi les lignes du 50 et tout ça, elles n'y étaient pas dans la carte originelle donc moi je les ai rajoutées en montrant euh, en montrant euh, les points d'appui avec ces triangles qui montrent sur quoi euh, s'appuie euh, la ligne, d'accord et alors ce que je voulais dire par rapport au, au premier module, mais en fait quand on fait un plan de soins on, on se sert des schémas aussi, c'est que par exemple si on reprend euh, l'idée du, du poignet, on va chercher, on peut ne pas toujours se souvenir et se dire, ben bah, tiens, maintenant que j'ai choisi le poignet, je voudrais voir tous les schémas sur euh, lesquels je peux trouver un poignet. Donc on sélectionne le poignet, on y est. Et alors, on a ce bouton qui vous montrera tous les schémas où je peux trouver des poignets. Et donc, c'est effectivement, des fois, on ne pense pas au rodin, ou des fois, on oublie qu'on peut trouver aussi un poignet sur le, sur le schéma dit de Penfield. OK Donc, on l'a ici. Si vous voulez la légende, vous appuyez sur la petite bulle, et vous avez la légende pour voir que le poignet est à la lettre D. OK Ici. Voilà, donc on peut avoir aussi des explications sur le schéma. Donc c'est très important pour construire un plan de soins, comme on disait euh, tout à l'heure. On va s'occuper de l'anatomie, on va s'occuper de trouver quel est l'outil le plus adapté, mais ensuite on va continuer sur, sur le facial avec les schémas, en cherchant le schéma, mais avec le même effet de l'outil euh, choisi au départ. Et ensuite on complétera avec les points précis, parce que si on revient à notre idée du poignet, Remarquez que c'était quoi qu'on avait pris Douleur, je sais plus, bon, mettons une contracture. On remarquera qu'il y a des points, comme par exemple le 156, alors on pourrait deviner, oui, comme c'est la cheville du bonhomme rouge, la cheville, le poignet, similitude de forme, ça colle, oui, effectivement, mais on pourrait se demander, pourquoi il y a le 37 parce que là, euh, bon, quoi que, on pourrait trouver aussi une, une relation avec la zone du poignet de la lame bleue, dans ce cas-là. Mais en fait, on ouais. peut aussi aller par un autre che chemin, qui est de se dire, bon, mais c'est parce que la rate, ça gère les grandes chairs, est-ce que ce ne sont pas des muscles qui tirent justement au-dessus S'il est sensible, ça nous donne une piste que peut-être la douleur est provoquée par des muscles qui tirent trop. On pourrait se demander, pourquoi il y a le 50 ben Là, on pourrait se dire, tiens, ce ne serait pas plutôt à cause des tendons qui sont affectés. Okay Donc voilà comment on peut vraiment trouver d'autres idées quand ils sont sensibles. Hein, pourquoi ce n'est pas une formule C'est une proposition pour construire votre formule adaptée à la personne. C'est bien plus qu'un bouquin de formules. Oui, tout à fait. J'ai été plus oui. clair. Oui, non, tout à fait. C est, c est, et puis, c'est une vraie aide, en fait. Ça permet de, vraiment d'accompagner euh, ben, les gens qui se forment, hein, euh, d'accompagner dans, dans le travail, dans la révision, dans la compréhension, dans tout ça, dans l'accompagnement des, des patients et des clients, etc. Ouais. J'ai une petite question, oui. Patrick, qui est. Euh, est-ce que les points mentionnés sont les mêmes dans les diverses écoles Ou est-ce qu'il y a des différences, des points en plus quelque part ou en moins enfin, Non, à ce que je sache, tous ceux qui enseignent le Dien Chan utilisent la même carte et nomment les points de la même manière. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne les ont jamais comptés et qu'ils disent qu'il y en a 600 qu'ils ils utilisent les mêmes points. Okay. Ils ont de toute façon, tous ces gens-là, ils sont tous des anciens élèves à nous ils utilisent tous la l'ABC du Dien Chan que j'ai écrit en, en 2009. Donc, euh, il n'invente rien, hein? toutes les notes, tout, tout, tout est sorti des, des mêmes endroits, hein? donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, après, vous avez énormément de, de cartes de, de, de réflexologie faciale, euh, qui sont en fait des combinaisons de petits bouts de schéma, qui ont été aplatis, donc qui passent complètement à côté de la dimension multiréflexologique de la méthode, c'est dommage, et qui mélange énormément de choses. Donc c'est vraiment plus intéressant d'apprendre la méthode originelle qui est le dien et de l'apprendre avec des gens qui ont vraiment le sens de, 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 de l'origine. Les interprétations sont bonnes, elles sont très intéressantes pour vous dans Votre consultation avec vos patients, mais quand on enseigne quelque chose, on peut pas euh, l'édulcorer, on peut pas la, 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 la simplifier. On peut la simplifier pour soi, ça c'est pas mal du oui. tout. Mais c'est comme si je vous enseignais la musique et je vous dis, Dorémy, oh, fa sol, on verra plus tard. Non, non, il faut tout savoir parce que y a pas de... le prof n'est pas meilleur que l'élève, c'est pas, pas vrai du tout. Non, le prof c'est un technicien qui va vous enseigner les bases. Pour pouvoir avoir une idée. Au début, on copie le prof, c'est normal, mais après, vous tiendrez votre détecteur différemment de Hélène, différemment de moi, vous aurez votre gestuelle, vous allez vous adapter à votre clientèle. C'est ça qui est fantastique en Dien Chan c'est qu'on devient créateur de soins. Tout à fait. Et c'est ce que je dis souvent même à mes élèves, que ce soit en atelier ou, euh, ou euh, en formation, ou quoi. Je dis toujours moi, je vous enseigne le Dien Chan, mais de cette façon-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pratique bien différemment parfois. De ce que je vous enseigne aussi. Parce que je l'ai fait à ma façon, mais par contre, l'enseignement, ce sera toujours le même parce que vous devez connaître les bases et avoir ben, cet apprentissage On et cette... Il faut savoir s'adapter à la personne, d'où l'importance de ce concept de tweed, de sa dépend, c'est le relativisme, parce ouais. que la personne peut avoir une douleur au poignet et revenir la semaine d'après avec la douleur au poignet. Mais bon, il faut trouver aussi un tas de, de, de raisons. Est-ce qu'elle a un travail qui est extrêmement fatigant? Pour le poignet, est-ce qu est -ce que c'est un problème qui est lié à un accident ancien Il y a des tonnes de raisons et ça peut changer. On peut très bien être soulagé avec un outil ying un des jours où ça chauffait beaucoup, c'était très tendu, et revenir avec la douleur au poignet et c'est plutôt l'outil yang qui va nous soulager parce que ça dépend du moment. On, on s'exprime là où on est faible ou là où on a eu un accident qui nous a affaibli. Donc ce n'est pas un médicament qui est bon pour tout le monde le vaccin, tu sais. Non non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça dépend. Nous on est dans l'holistique, donc on doit chercher la cause du problème, on doit chercher l'origine du trouble et il est changeant, il est changeant, bien sûr. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on fait vrai, tellement vrai de C'est un, bon... un vrai bon exemple aussi, oui, faire le même vaccin pour tout le monde, ça paraît quand même bizarre. Oui. On le fait pas parce quand le virus il <laughs> mute, donc quand on le vaccin, il n'est plus le même. Mais bon, oui, mais... Oui, mais mais le 200, et sinon, on y passe la nuit euh, tous les deux, mais... Mais bon, <laughs> okay. c'est pour Écoute... ça qu'on fait tellement de documents, qu'on veut faire maintenant grâce à cette technologie, des lives, des émissions, des ateliers, pour justement aider tout le monde à, à, à trouver son chemin, sa manière, son style, hein, son style à devenir créateur. Alors, il faut faire le Dien Shan Reflex pour apprendre les schémas et la, la, la théorie de base, les principes, comme on l'a expliqué dans le premier épisode. Là, ici, on vous explique qu'on va s'intéresser essentiellement à la carte et au point et comment les travailler, comment trouver le point, comment les stimuler. Voilà. Et donc. Tous ces outils-là, ils sont juste là pour vous aider. On, on va pas apprendre les points par cœur. Ce n'est pas intéressant. Il faut se souvenir de son premier amour, mais pas des trucs comme ça. On ne fait pas du droit. Donc, il, il faut vraiment avoir des outils, des fiches. Alors, bon, c'est bien beau les bouquins, mais c'est toujours un peu répétitif. Alors, à partir du moment où vous aurez bien assimilé le programme du Dianchan Pro dont on parle aujourd'hui, vous pourrez récupérer, récupérer de toutes ces formules glanées ici et là et les décomposer et vous en servir comme une source d'inspiration. C'est comme en n'importe quel art, on ne va pas voir des expos pour copier l'artiste, on va voir des expos pour s'inspirer. Alors au début, ben, si on a un bon photographe euh, connu en tant que prof, on veut faire un peu pareil que lui, mais c'est normal. Mais au bout d'un mois ou deux, si on pratique, on trouve son style, on trouve sa manière d'exprimer les choses et d'aborder les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur ou qu'il est moins bon. C'est pas ça du tout. C'est chacun adapté. Alors là, on exprime son talent. Et le Dien Chan est vraiment un tremplin pour exprimer son talent. Mais il faut apprendre les bases sérieusement. Tout à fait. Et, et c'est effectivement, il y en a qui sont souvent surpris quand, euh, quand je leur dis ça, que dès ce module Dianchan Chan Pro, ils seront capables de comprendre une formule, de, des points qu'elle contient, de savoir si ben, dans ce qu'ils vont faire à cette personne, c'est utile ou pas de mettre ces points-là de cette formule toute faite, s'ils peuvent en d'autres. Et oui, ils, sont, ils seront déjà créateurs en fait dès le Dianchan Chan Pro. Et souvent, on me dit, mais non, mais ça, ça paraît trop tôt. Et quand je vois les ben, les élèves, au final, ben, ils arrivent vraiment à, à se débrouiller. Euh... Oui. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est normal, il faut appliquer les formules que vous avez apprises en cours ou dans le bouquin au départ. Mais le meilleur moyen d'apprendre, oui. c'est que quand ça a marché, quand ça n'a pas marché, zappé, mais quand ça a marché, en plus que oui. c'est bon pour l'ego, eh bien, il faut la décomposer et se dire tiens, pourquoi cette formule a tellement bien marché pour lui ça va de vous donner des idées pour poser des nouvelles questions aux patients plus tard. Et essayer de fouiller, fouiller. C'est l'archéologie pour essayer de trouver où peuvent être les faiblesses qui s'expriment ainsi. C'est ça le but. Et ça, on apprend très vite comme ça. Ouais, Alors je regarde s'il y a une autre question. Ah non, elle dit, bon, j'adore l'approche que vous avez de vos explications. Je signe où C'est gentil. <laughs> Nicole, ben, Nicole, bienvenue. <laughs> Il n'y a, pas... <laughs> a pas beaucoup de questions, mais j'ai eu un petit message tout à l'heure, on me disait j'arrive pas à poser des questions. Alors on regardera s'il y a le, un problème de chat ou ah. pas, mais c'est peut-être. Bon. bon. De toute façon, je pense qu'il va falloir conclure parce que là, ça, ouais, ça, ça, ça fait, fait un peu. Mais euh, donc, ben, pour, euh, voilà, pour rappel, ben, Justement, au signe Ou, ben, n'hésitez pas à aller sur... Euh, on va vous donner les, les liens sur euh, l'agenda sur le .org, où Là, vous avez toutes les infos euh, sur les formations, qu'elles soient en ligne ou en présence. Je répète que j'ai encore des places, euh, j'avais déjà dit sur, la semaine dernière, mais j'ai encore des places pour la formation en présentiel à La Rochelle. Ouais. Donc, si ça intéresse quelqu'un, avant qu'on soit confiné, de prendre un petit peu l'air de la mer. Mmh. Et, puis, euh, et puis après, ben, ce sera... Ce sera sur sur Zoom euh, euh, à partir de novembre mmh. pour le de réflexe et après ben, moi de mon côté j'ai des dates euh, donc qui reprennent en février 2021 en mmh. présentiel aussi et, euh, et voilà et puis bon, avec euh, avec tous les ateliers aussi c'est bien aussi pour pour tester Zoom de tester un petit atelier on Zoom. mettra tous les liens dans la description comme d'habitude allez visiter le blog aussi on fait des articles. Oui. N'oubliez pas ce, ce super idée du colloque des thérapies naturelles au service du sport. Oui, oui. On vous met bien le ça. lien oui. aussi dans la description. pour C'est gratuit. Il suffit de, de s'inscrire. Et puis voilà. Et puis bon, on continue à répondre à tout le monde, à travailler euh, et à se parler par Skype. Voilà. <laughs> on se réunira ouais. tous. <laughs> Allez, et eh bien. Bonne soirée okay, à tout le monde. Merci Hélène de... en tout cas. Ben, merci à toi. Euh, Est-ce qu'on se refait un petit live la semaine prochaine sur le channel Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que j'ai eu aussi des... <laughs> des dames qui m'ont écrit, qui ont voulu en savoir plus. Donc l'idéal, c'est de répondre à leurs questions en direct. Bon. Alors, on va faire ça. Donc, euh... donc on va vous fixer la date et on vous dit tout ça pareil sur, sur les commentaires et puis sur Facebook ou sur nos sites. Okay. Pouce bleu, bon abonnez-vous, bon partagez. Bon partagez. Bon ben Vous nous aidez beaucoup <laughs> comme ça. <laughs> merci.